Aujourd'hui, je vais vous préparer les wraps à ma façon. Alors pour ça, il vous faudra de la salade, une tomate, du masdame en tranche, de la vieille mimolette, du chèvre frais, des chips, du jambon de poulet. On sait, on va se couper la tomate. Donc là, je la nettoie comme ça. Elle est bien mûre. Et je vais la couper en tranches. Je vais couper mon jambon. Je vais couper mes deux tranches de fromage. Comme pour le jambon. Je vais couper quelques tranches. Hop, bien mes molettes. Maintenant, je vais préparer mon chèvre frais. Donc, je mets un peu d'huile d'olive, du poivre noir, et je l'écrase bien. Tous nos ingrédients sont prêts pour préparer notre wrap. Sachez que j'ai mis du jambon de poulet, mais vous pouvez mettre aussi bien du jambon, de la viande hachée, vous la faites revenir, vous mettez un petit peu de tomate dedans, vous la faites revenir, bien salée, bien poivrée, vous mettez à tiédir. Pareil avec un filet de poulet, vous prenez les filets de poulet, vous les coupez très fin, vous les faites à la poêle, bien salée, bien poivrée. Pareil, vous mettez même du piment si vous aimez. Vous pouvez mettre plein de choses. En fait, dans le wrap, vous mettez tout ce que vous aimez. Sachez que si j'ai mis des chips, c'est pour avoir le côté croquant. Parce que là, on n'a que des choses qui sont molles. Et quand on va manger le wrap, on sentira le craquement. Et c'est agréable. On prépare le wrap. Alors, je l'ai mis 2 secondes dans le micro-ondes pour le faire amollir un petit peu. Je vais prendre mon fromage. Je vais le rouler. Et voilà le résultat. Voilà, nos wraps sont prêts. Bien gourmands. Bien rempli, avec le fameux croquant.